Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour un nouveau jeudi de la BD en ligne. On espère avoir le plaisir de bientôt vous retrouver pour de vrai, mais pour l'instant encore en ligne. Ce soir avec Sonia Deschamps, toujours, qui nous accompagne sur les jeudis de la BD, qui organise avec nous ces jeudis de la BD. Et ce soir, on a le privilège de recevoir Si, bonsoir. Bonsoir. Et moi, je n'ai rien à ajouter, je vais laisser parler Sonia. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Nathanaël. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci donc d'être avec nous pour cette rencontre avec Si. Merci encore une fois, Si, d'être avec nous pour parler ce soir de Radium Girls, un album que tu as publié au mois d'août dernier aux éditions Glénat, l'histoire d'un groupe de femmes qui, dans l'Amérique des années 20, peignent des cadrans de montres avec une peinture à base de radium. Radium qui a la particularité d'être phosphorescent dans le noir sans avoir besoin avant d'être exposé au soleil et qui a pour autre caractéristique d'être très toxique. Et c'est en 2017, je crois, que tu as découvert l'histoire de ces Radium Girls au détour d'un article relayé sur Twitter et ça t'a tout de suite ulcéré, je crois qu'on peut le dire, de découvrir cette histoire. De Un peu. découvrir, ouais, c'est même très ulcéré, c'est ça. Et c'est ça, ça a été immédiat, c'est-à-dire que tu as vu passer ça et tu t'es dit, mais c'est pas possible en fait, comment est-ce qu'on peut ne pas savoir ce qui est arrivé à ces femmes? Alors non, oui, enfin, c'est ce qui m'a ulcéré, c'est que c'était encore des femmes et encore, c'est toujours le même cercle vicieux, voilà. Après, je suis pas arrivée en me disant, je vais en faire une dernière. Enfin, ça arrive assez peu comme ça et tout, mais Non, mais en c'est revanche, vrai tu as que. commencé à en parler justement autour de toi parce que ça t'avait tellement choqué et c'est justement parce que tu en as parlé autour de toi que c'en est devenu une bande dessinée. Tout à fait, c'est ça, oui. C'est juste que, effectivement, en fait, au début, quand j'ai commencé à avoir les articles, j'ai lu un article très succinct et en fait, c'est assez rare quand même. Souvent, je lis un article et puis bon, bah, je passe à autre chose. Sauf que là, je me suis dit, mais attends, c'est dingue et tout. Donc, j'ai lu un article, deux articles, trois articles supplémentaires. Et c'est pour ça. Et après, quand tu commences à être ulcéré par un truc, tu en parles à tout le monde. Tu te rends pas compte, c'est dingue et tout. Donc, c'est comme ça, ouais, que ça a fini par en faire une bande dessinée, tout à fait. Et justement, tu travaillais sur quoi alors à cette époque? Parce que je crois savoir que c'est à la foire du livre de Francfort, qui est un moment absolument décisif pour cet album, Oh oui. que c'est au départ d'un autre projet dont tu as parlé au dessinateur, à l'auteur Guy Delisle, et qui en t'entendant ensuite parler de ces Radium Girls, après que tu lui aies parlé du projet sur lequel tu étais en train de travailler, tu as dit mais c'est ça qu'il faut que tu racontes, il faut que tu racontes ces Radium Girls. C'était sur quoi que tu étais en train de travailler par curiosité? Alors, c'était tous les prémices. En fait, c'était les toutes petites prémices et tout. Je commençais à travailler sur une histoire qui retraçait la vie de mon grand-père, en fait. Tout simplement parce qu'il a eu une vie. Bah, comme j'ai l'impression que tous les grands-parents ont eu une vie rocambolesque avant. Et oui, je travaillais sur ça et tout. Et en fait, moi, quand j'en ai discuté avec Guy Delisle m'a dit effectivement, en fait, c'est très bien aussi ton histoire sur ton grand-père et tout, mais cette histoire, elle t'appartient. Donc, on va pas. Quelqu'un d'autre ne va pas le faire, tu vois. Il me fait, mais Radium Girl, c'est fou. En fait, c'est vrai que ce que t'as, tu touches un truc, tu vois. Moi, j'ai envie d'en lire une BD aussi sur ton grand-père, mais là, j'ai envie de lire ça. Donc Surtout qu'il voilà. n'a pas eu tort parce qu'après, il y a eu un film que tu n'as pas vu au moment où tu réalisais l'album, mais ça veut dire qu'on peut penser que peut-être d'autres personnes auraient découvert ces histoires-là et qu'effectivement, il y avait une urgence finalement à la raconter maintenant. Ouais, après, j'avoue que je ne suis pas dans la course à Non. l'histoire, etc., et globalement, mais c'est vrai qu'il y avait il y a un film qui est sorti, je ne l'ai pas vu bah, parce qu'il est sur le Netflix US et qu'on n'y a pas accès, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, hein. Je n'étais pas la première à en parler, il y avait aussi des pièces de théâtre qui se sont faites entre-temps, Des poèmes. il y a eu il y a eu un livre qui était là avant aussi, qui a été un très gros support pour Radium Girl pour moi. Mais oui, effectivement, il y a eu. Mais moi, je suis très contente. Hein. Plus il y a de matériel pour parler de ces femmes, plus je suis contente. Et je le disais, donc c'est à la foire du livre de Francfort que tout s'est joué, puisque donc tu as rencontré Guy Delisle qui t'a dit ça ferait une super histoire. C'est là aussi que tu as rencontré ton éditeur, Olivier Jalabert, chez Glénat. Mais ce n'est pas qu'avec Olivier Jalabert que tu as travaillé. Cet album, donc Radium Girls, mais aussi avec le scénariste Aurélien Ducoudray, qui est donc directeur de collection chez Glénat. La collection, elle s'appelle Karma. Et c'est lui qui t'a aidé, je crois savoir, à vraiment trouver comment raconter cette histoire. Parce qu'au départ, tu étais plutôt partie sur une biographie plus classique, pour ainsi dire. Et en fait, tu as discuté 1 heure avec Aurélien et à la fin, tu as mis Ouais. effacé sur l'ordi et tu as tout jeté à la poubelle. Comment ça s'est fait? C'est-à-dire, comment est-ce que, à partir de cette matière, avec les conseils d'Aurélien, tu as trouvé la façon parfaite finalement de raconter cette histoire.
et qu'on n'imagine pas autrement en fait, quand on découvre cet album finalement. Bah, en fait, alors quand je le redis, parce que souvent les gens ont tendance à dire Aurélien, il est scénariste et pourquoi il n'est pas crédité sur la couverture ? Et je suis genre, non, Aurélien, il est directeur de collection sur cette chose. Je serais très contente de travailler un jour avec Aurélien du coup, il le sait. Mais là-dessus, je suis toute seule. Mais donc voilà, donc en fait, oui, je discutais au téléphone avec Aurélien et il me parlait, en fait, il voulait monter une collection de biographies, mais de biographies. Alternative, en fait, la biographie par le trou de la serrure, quoi. Et il me disait, écoute, il m'a dit cash comme ça, il m'a dit, tu sais quoi, la biographie, ça m'emmerde. Et je lui ai dit, il y a un problème, ça veut dire que si tu me dis ça, alors que tu montes une collection, il fait non, la biographie linéaire, parce que moi, à la base, je suivais celle qui était la protagoniste la plus importante, celle qui a fait la démarche judiciaire derrière, donc qui s'appelle Grace, et de manière assez linéaire. Et il me dit, moi, je voudrais que le prisme change un peu, qu'on décale le prisme, en fait. Et il me disait, je ne sais pas comment, démerde-toi, mais décale le prisme. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai décalé pour... en fait, c'est vrai que c'est très dur, la biographie omnisciente. Ça veut dire qu'il faut tout connaître, il faut tout savoir. C'est, vu que tu es un narrateur extérieur, il faut que tu parles des médecins, il faut que tu parles de l'aspect scientifique, de l'aspect humain, etc. En décalant le prisme, en étant au cœur de ce groupe de filles, eh ben, tu te retrouves avec une narration qui est certes peut-être moins complète, moins PowerPoint-esque, c'est moins PowerPoint. Plus à hauteur de femme, sympa. Justement. Et c'est beaucoup plus incarné, en fait. C'est plus vivant, voilà, on a vraiment l'impression d'être avec elle. Et en fait, tu as plus, effectivement, tu as moins de matière, mais tu as plus d'émotion. Donc, après, je ne dis pas ça pour les autres, parce qu'il y a des biographies qui sont très bien faites avec un côté omniscient. Mais c'est vrai que vraiment ce truc-là de décaler permet aussi de rattacher moi à mes émotions, faire passer plus d'émotions. Et moi, je voulais que ces femmes, elles reprennent du corps, tout simplement. Et c'est ce qui permet aussi de pas avoir un livre dramatique, même si ce qui arrive à ces femmes est dramatique, même si ce qu'ils racontent est assez terrible, et terrible même. Mais il y a l'énergie de ces filles qui fait que ça ne l'est pas. Parce que c'est aussi une histoire de sororité. C'est aussi très, très lumineux, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment, ces filles, elles rayonnent. Et quand on est avec elles, on sent le drame arriver, on sait ce qui va arriver. Et en même temps, quand elles rient, on a envie de rire avec elles et on a vraiment envie d'être avec elles et de profiter de la vie avec elles aussi. Bah, c'est le plus important. C'est ce que je voulais, tant mieux. Oui, réussi en tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... encore une fois, on l'a dit au début, on se doute bien que comme ce produit est hautement toxique, on se doute de ce qui arrive à ces Radium Girls. Mais ça aurait été justement quelque chose qui aurait peut-être pu sortir le lecteur d'être justement dans quelque chose de trop sombre. Et on va revenir aussi sur la couleur, sur tout ça, parce que bien évidemment, ce n'est pas seulement le fait de mettre en scène un groupe de filles qui provoque cette sensation de relative légèreté par rapport au sujet. Mais en tout cas, je pense que c'est un des gros atouts de ce livre et de cette histoire. Et donc, au tout début de l'album, on suit, tu le disais, il y a le personnage de Grace. En fait, on voit arriver Edna dans l'atelier de peinture et c'est Grace qui va lui apprendre la technique du lip, deep paint. Lip, tu lisses le pinceau en le portant aux lèvres. Deep, tu prends de la peinture. Paint, tu peins. Et il faut en perdre le moins possible. Elle lui explique bien ça parce que ça coûte très, très cher. Tu le disais, on suit le personnage de Grace et les personnages autour, mais elles ont toutes existé. C'est-à-dire que même si au départ tu voulais vraiment suivre Grace, ce qui est important de dire, c'est que toutes ces filles, tu ne les as pas inventées, et en tout cas, tu as inventé une partie de leur personnalité, on va revenir là-dessus, mais en tout cas, ce sont vraiment des femmes qui ont existé, et c'est important ça. Tous les personnages qui sont nommés ont tous existé. Même à un moment, elles disent on t'a pas sonné Hazel et tout. Hazel a vraiment existé, Hazel a été dans cette entreprise. Et voilà, en fait, c'était hyper important. Tous les docteurs, etc., toutes les personnes mentionnées ont existé. Même aussi les enfants, hein, parce qu'elles ont aussi eu des enfants, etc. Ça, là-dessus, c'était hyper important, parce que en fait, l'histoire est déjà tellement dense, je n'ai pas besoin d'inventer des protagonistes supplémentaires. Déjà, si j'avais voulu inventer cette histoire, on m'aurait dit, oh, dis donc, c'est un peu corsé, hein, t'en as fait un peu des caisses. Oui, mais la vraie vie en fait vraiment des caisses, c'est ça qui est terrible. Ce qui leur est arrivé est très ironique et déjà bien assez dense comme ça. Et oui, quand tu parles d'ironie, tu dis, j'aime bien cette phrase que je t'ai entendue dire, c'est que l'ironie, elle est aussi dans le fait qu'elle peigne des montres et à partir du moment où elle commence à peindre un cadran d'une montre,
c'est le compte à rebours de leur vie qui en fait est lancé. Ouais, qui est lancé. C'est ça qui est terrible. Dès qu'elles ont lissé le premier pinceau, parce que c'est vraiment au premier pinceau, hein. C'est forcément plus t'en lisses, plus ça va arriver vite, l'échéance va arriver vite. Mais globalement, même si tu restes très peu de temps, le radium est tellement puissant que dès que tu en ingères, c'est plié. Bien quoi. Sûr, c'est incurable, effectivement. Et je le disais, il y a une partie forcément de fiction dans les échanges que tu imagines entre ces personnages. Et je t'ai entendu dire que pour créer justement ces femmes, ce groupe de femmes, tu avais plaqué des caractères d'amis sur ces filles. Comment est-ce que justement tu as réussi à trouver le juste équilibre entre avoir ces femmes qui ont existé, penser à des amis pour les faire vivre, pour les faire parler, pour les faire bouger? Comment est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre qui est assez parfait dans l'album pour faire vivre ces Radium Girls? Alors, c'est vrai que c'était très dur parce que, en fait, l'histoire a tendance à garder les faits et oublier l'émotion. C'est vraiment quelque chose qui est très dur, en fait, parce que, voilà, moi, je sais que Grace, elle est un peu frondeuse quand même parce que c'est elle qui allait chercher les avocats, c'est elle qui a mené les filles, etc. Mais après, c'est très dur de se rattacher. Ça veut dire que j'ai aussi pas toujours eu des photos, en fait. Grace et Catherine, j'avais des photos d'elles. Et j'avais une photo de loin de Molly qui était au centre. Et en fait, là, j'ai fondé son caractère sur des amis pour pouvoir leur donner du corps. Mais surtout, c'est parce que Molly, c'était la seule qui avait un grand sourire, qui était très grande et qui prenait les filles, en fait, comme ça. Et et je me suis dit, OK, en fait, j'ai plaqué. En fait, ça se trouve, c'était juste c'est ce jour où elle rigolait, hein, je ne sais pas. Mais en fait, elle avait l'air d'être radieuse, en fait. Et donc, oui, c'était... Et je me suis dit, OK, en fait, rien n'est manichéen dans nos sociétés, etc. On n'est pas méchant juste pour être méchant. On sert des causes qui ne sont pas toujours la meilleure. Mais voilà, et je me suis dit, je veux avoir une dynamique de groupe de femmes qui existe. Les sentiments dans un groupe de femmes, il n'y a pas d'âge. Hein. Ça veut dire que l'amitié, la sororité, l'appartenance, etc., c'est quelque chose que moi, je connais comme ce qu'elles ont dû connaître 100%. Donc, j'ai essayé d'appliquer des caractères de mes amis sur ces femmes que je ne connais pas du tout, si ce n'est quelques faits. Et ça me permettait de faire des choses du genre « Non, Molly, elle ne pourrait pas réagir comme ça. Non, face à ça, Catherine, elle ne réagirait pas. » Et voilà, c'est vrai que c'était assez dur parce qu'en même temps, il faut faire attention à ne pas faire aussi de rupture sur le passé, en fait, parce que moi, j'ai des amies qui sont militantes féministes. Non, elles ne sont pas militantes féministes dans les années 20. Déjà, c'était des femmes de leur époque, etc. Donc, je ne peux pas leur faire dire des choses que mes amies me disent aujourd'hui. Mais voilà, sur le fait d'être une bande d'amis, etc., et que parfois, tu n'es pas toujours d'accord, tu n'es pas toujours dans le même sens, etc., c'est des choses importantes pour moi. Et c'est comme ça que j'ai fait un espèce de... un peu comme deux calques qui se superposent, en fait, pour pouvoir leur donner du corps, un peu. Et est-ce que ça veut dire, si tu as calqué la personnalité de certaines de tes amies par rapport à ce groupe de filles, est-ce que ça veut dire que tu t'es reconnue dans Grace aussi et que tu as pu, dans l'élan qu'elle peut avoir, parce que tu disais, elle est frondeuse, elle est... celles et ceux qui te connaissent, on sait qu'il y a des choses, justement, où tu es très engagée, où tu ne laisses pas passer les choses, où tu dis volontiers ce que tu penses et tu le clames haut et fort. Est-ce que du coup, tu as pu te reconnaître parfois ou en tout cas dans cette idée de projeter pour mieux incarner, de temps en temps, tu t'es vraiment mise à la place de Grace? Alors moi, pas Grace. Moi, c'est Catherine. C'est dans Catherine que je me reconnais le plus. C'est plus après, mais c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a plein de caractéristiques différentes, etc. On a tendance, en fait, ce qui casse-gueule quand on crée des personnages, c'est de leur donner un unique adjectif. Par exemple, la timide, la frondeuse, et tout. C'est, globalement, en fait, on n'est qu'un millefeuille de ce genre de choses. On a un millefeuille d'adjectifs. Bien sûr, les gens sont beaucoup plus complexes que ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me reconnaître dans Grace, mais non, c'est plus Catherine. Je suis un peu un mash-up entre Catherine, Molly, et puis... Puis même, c'est marrant parce que beaucoup de gens détestent Edna, mais Edna, c'est un pur produit de sa société, en fait. Je l'aime beaucoup, Edna, par exemple, qui est justement celle qui va dire « on n'a pas besoin du droit de vote quand on est une femme », etc. Ça nous paraît aberrant maintenant, mais c'était les Oui, elle dit « on a déjà le droit de travailler, on est bien, quoi, on est bien à notre place ».
Ouais, voilà, on est myolotiques nos mères. Voilà, ça, on l'entend encore de nos jours. On est myolotiques nos mères. Qu'est-ce que vous allez vouloir avoir le droit de vote, enfin ? Et voilà. Ben oui. Et on voit, quand tu parles d'une position en tant que femme, on voit dans l'usine, ou en tout cas dans l'entreprise, comment est-ce que ce sont que les femmes qui peignent ces cadrans de montre, et les hommes, ils sont à l'étage au-dessus, avec des gants, à tenir les tubes à essai à bout de bras, avec des masques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est marquant, sur lequel tu n'insistes pas forcément dedans, mais forcément, c'est quelque chose qu'en tant que lecteur, quand on voit passer cette grande image avec vraiment les femmes au rez-de-chaussée et les hommes au premier étage, il y a quelque chose d'immédiatement marquant. Et on le retrouve après dans la suite du combat, puisque finalement, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'album, mais que tu racontes, c'est que, bien sûr que ça a fait avancer la cause, le fait qu'elles se battent, ces Radium Girls, mais on n'a pas légiféré autour du radium suite à leur combat à elles. On a attendu que le premier homme riche meure pour commencer à légiférer. D'un tonique au radium. C'est même pas par rapport à la peinture. C'est parce que, en fait, pour expliquer, le radium, en fait, on l'a utilisé dans l'industrie horlogère, mais à cette époque-là, il y a eu une folie radium qui pourrait, en fait, imaginer que le radium, c'est l'aloe vera d'aujourd'hui. L'aloe vera, on en fout partout aujourd'hui, dans les tissus, dans les cosmétiques, dans de l'eau. Voilà, et ben c'était pareil. Tu es en train de nous dire que l'aloe vera, bientôt... Non, enfin, je ne sais pas, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien, attendons 80 ans. Mais c'est vrai que... j'avais une alarme de voiture qui était dans mon casque. Ouais. Mais oui, c'est vrai que... il y en avait partout, et en fait le premier homme, voilà, homme riche qui est mort d'un tonique au radium a fait légiférer, et plusieurs années après le combat des Radium Girls, quand même. C'est ça qui est terrible. Oui, quand tu dis on en trouve partout, on voit de la publicité pour de la crème dans ton album, on a aussi leur chef, ouais. Quand Grace va la voir parce que le docteur lui a dit qu'elle ne devrait pas lécher le pinceau parce que c'était pas bon pour sa santé, il y a sa chef qui lui dit vous ne courez aucun danger si ce n'est celui d'avoir un beau teint. Ouais. C'est quand même tout. Et c'est véridique. Hein. Ça, c'est une phrase qui a été dite. Et aussi, toutes les pubs qu'on voit dans la bande dessinée sont véridiques. C'est des pubs qui ont véritablement existé. Alors, la laine pour bébé a vraiment existé. La laine pour bébé au radium a vraiment existé et tout. Donc, mais oui, et en plus, il y a un côté très vicieux au radium parce qu'elle n'a pas si faux. Ça veut dire que le radium, avant de te tuer, en fait, avant de te tuer, ça te booste l'organisme, ça booste les globules rouges. Oui. Mais après, bon, le contre-coup, il est fatal. Oui, il est quand même assez terrible. On va voir quelques images et on va en parler. Les conséquences et les symptômes, ils sont, même pour avoir un peu un bon teint, on va pas risquer ça. Non, évitons globalement. Hein. Globalement, le radium et le mercure, hein, dans un autre temps, n'est pas bon pour le teint. Oui. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la mécanique de création, puisque, je l'ai dit, c'est suite à une rencontre donc, avec un auteur de bande dessinée, puis ton éditeur, puis les échanges avec le directeur de collection que tu peux avancer sur le scénario. Et une fois le scénario écrit, là, ça a été une autoroute, j'ai envie de dire, puisque tu as fait le découpage de ces 120 planches en un jour et demi. Alors, ouais. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo YouTube que tu as postée la veille de la sortie de Radium Girls, parce qu'on voit justement tes carnets, où on voit ce découpage, où tu fais vraiment les découpages en tout petit. Il y a plusieurs planches sur une même page et on voit l'urgence. Et il y a une beauté dans ces planches, même si c'est tout petit et qu'on ne voit pas forcément... Nous, en tant que regard extérieur, toi, pour toi, tu vois immédiatement ce que tu as voulu faire. Nous, on voit des formes, on voit des personnages vite faits, quoi, et les bulles. Mais en tout cas, il y a une urgence qu'on sent immédiatement. Et une expression que tu utilises et que j'aime beaucoup, c'est que tu dis, c'est comme si j'étais un élastique qui avait tiré, et d'un seul coup, c'est bon, ça a tout lâché, et t'es parti à toute vitesse. T'as eu aucun doute, ça a vraiment été immédiat. Il y avait vraiment l'urgence de faire vivre ces filles. Ouais, en fait, un peu, parce qu'en fait, parce que j'ai pas eu Aurélien Ducoudray qu'une seule fois. Hein. En fait, c'est vraiment, Aurélien a été d'un très grand, c'était génial. Enfin, ça a été génial de bosser avec lui là-dessus, parce que
Je lui ai envoyé en fait mon premier scénario. Il me dit ah le biopic, mon machin. Je pense que tu peux trouver autre chose. Je supprime tout, je recommence. Et là il me dit tu touches un truc, c'est bien et tout machin. Il faudrait peut-être que tu rajoutes certaines scènes. Je sais pas lesquelles, mais rajoute-les et tout. Et donc je rajoutais des scènes et à chaque fois il me dit c'est bien machin. Et il y avait vraiment ce truc. Et puis c'est vrai que moi dès le début j'ai eu des images qui m'est apparu parce que quand même qu'est-ce que c'est terrible, Radium, mais qu'est-ce que c'est graphique, qu'est-ce que c'est beau. Et donc, tout de suite, tu as des images qui te viennent en tête et tout. Et puis, puis moi, j'avais déjà fait des refs pour imaginer leur physionomie, etc. Et tout. Bon, pas énormément. On a tendance à croire qu'on fait des tonnes et des tonnes de recherches et tout. Je ne suis pas partisane des milliards de recherches parce que j'ai pas du tout envie d'avoir la sensation d'avoir terminé la BD avant de la commencer. Ça, quand on se perd dans beaucoup de recherches, souvent, c'est un truc qui peut nous arriver. Et là, ouais, et quand j'ai commencé à faire le découpage, en fait, j'avais tellement tout en tête que, ben en fait, vraiment, je me souviens, j'étais sur la table de mon salon j'ai commencé à 8 heures, j'ai fini tard. Mais en fait, je sentais qu'il y a des moments où tu sens que tu as le mojo, tu vois. tu tends le truc et tu dis, j'ai pas envie d'aller pisser tout de suite parce qu'il peut partir, tu vois. Et donc vraiment il y avait ce truc là, cette urgence, ouais. Et c'était vraiment, je suis arrivée à la fin et moi je pensais sur le coup, je me suis dit waouh, j'ai une facilité à faire du découpage, là j'ai découpé ma prochaine BD, on n'est pas du tout sur le même mojo, j'en suis très contente, mais c'était plus poussif, quoi. Ouais. Après c'est aussi parce que justement t'as moins vécu avec les personnages, puisqu'on va en parler si on a le temps, ouais. Mais tu travailles avec un scénariste, avec Marc Dubuisson, oui, bien donc sûr. Forcément j'imagine que tu n'as pas habité de la même façon avec exactement, c'est pas moi qui écris le scénario. Et du coup, tu avais ce découpage. Ensuite, il y a une étape sur iPad qui te permet, voilà, quand ça coince, je crois, de servir de photo un peu, ou en tout cas de mieux placer les personnages. Et là, c'est une étape où, si je ne me trompe pas, tu travailles donc avec ton stylet, mais avec un trait noir, ce qu'on ne retrouve jamais par la suite. Toi, c'est vraiment l'enfer, le noir et blanc, le trait noir. Là, c'est vraiment parce que c'est une étape de travail avant de pouvoir t'éclater avec les crayons de couleur, et on va en parler. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'étape. Ben, ça dépend pourquoi. Ça veut dire que quand il s'agit de mettre en couleur après, moi, je déteste faire de la colorisation. La colorisation, c'est mon enfer, j'aime pas ça. Mes deux premières BD, ça se ressent un peu. J'ai mis de la couleur parce que c'est aussi, ça facilite la visibilité et les ambiances. Mais je suis très mauvaise en colorisation numérique. Il faut quand même avouer ses faiblesses. Et donc, quand il s'agit de... Après, passer au traditionnel, etc. En fait, moi, ce que j'aime, c'est quand la couleur fait forme, tu vois. C'est quand ça fait l'ensemble. Donc, vraiment, en fait, vraiment, le liseré noir, bah, je l'utilise, en fait, le dessin à la ligne claire pour faire des petits strips dessinés, voilà, que je fais sur Instagram et tout, pour raconter des choses et tout. Mais si je dois faire une étape de colorisation, je déteste ça. Donc oui, c'était une première étape pour me permettre de faire comme tu disais, juste aussi avoir le contrôle Z, tout simplement, le retour en arrière, salvateur, qui permet d'avoir une première étape de recherche qui va me permettre après de faire la suite. Oui, parce qu'après, au crayon de couleur, même avec une très bonne gomme, c'est moyen. Oui, c'est moyen. Globalement, je travaille avec une table lumineuse qui permet de voir en transparence en dessous. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas... Il y a des gens qui préfèrent faire leur croquis directement au bleu, donc dessiner au crayon bleu pour pouvoir faire les couleurs dessus et tout. Moi, je ne suis pas de cette team-là. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir mon croquis qui est bien fait en dessous et par-dessus, je fais ma planche finie. Chacun a ses étapes. Hein. Et la planche lumineuse, ça fonctionne un peu comme un calque pour les gens qui ne connaissent pas forcément, ce qui te permet ensuite donc de réaliser cet album, je le disais, au crayon de couleur, au crayon de couleur aquarellable. Si je ne me trompe pas, et donc avec cette couleur dont tu parlais en disant que c'était très beau, et c'est vraiment autour de ça que tu as tourné pour trouver l'univers graphique, c'est-à-dire partir de ce vert radium, ce vert d'eau, pour ensuite trouver ces teintes, ce camaïeu de violet qui te permet de mettre vraiment en avant cette couleur, ce vert d'eau, et d'être vraiment dans quelque chose d'extrêmement graphique. C'est arrivé tout de suite cet univers, cette ambiance colorée. En fait, cette ambiance colorée, je l'avais déjà un peu utilisée. Alors, ça remonte à très longtemps maintenant. En fait, j'ai fait mon dossier de fin d'études avec un camaïeu de couleur qui a été assez proche, pas le vert radium, mais
Mais il y avait un peu ce camaïeu de couleurs-là qui était resté là. Et c'est marrant parce que je me suis quasiment posé zéro question. Quand j'ai commencé à faire les planches test, j'ai directement pris ce camaïeu-là, qui est un camaïeu de violet qui va du rose jusqu'au bleu. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait un peu écho à l'image. Enfin, quand on pense aux années 20, moi, je le pensais à travers les images sépia ou noir et blanc. Et ce grain qu'on a là dans ces photos-là. Et je sais pas, ce camaïeu, mais c'est imposé. J'ai même pas réfléchi plus que ça. Et puis, bah ouais, le violet et le vert d'eau matchent tellement bien ensemble que j'ai pas cherché plus longtemps, quoi. Et tu parlais du grain, ça c'est vraiment le crayon de couleur qui permet ça. Qu'est-ce qui t'a plu? Parce que tu disais dans le projet de fin d'études, tu avais utilisé le crayon de couleur. Dans le vrai sexe des vrais gens. De la vraie vie. C'est des vrais gens dans la vraie vie. Aux éditions Lapin. Il y a ces strips dont tu parlais, mais il y avait aussi des pleines pages avec des crayons de couleur. D'ailleurs, la couverture des albums était réalisée au crayon de couleur. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cet outil? Sachant que là, tu travailles sur une autre technique, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Tu travailles beaucoup à l'encre, on peut le voir sur les réseaux sociaux. Tu fais des live Twitch où tu encres des images. Mais qu'est-ce que dans le crayon de couleur, tu aimes particulièrement? En fait, le crayon de couleur permet de travailler en superposition. Parce que j'utilise un crayon de couleur aquarellable. Mais en fait, l'aquarellable, il me sert juste parce que le crayon aquarellable est gras. En fait, il permet de déposer beaucoup plus de matière. Moi, ils n'ont jamais vu l'eau, mes crayons. Mais en fait, c'est parce qu'il permet de... En fait, quand on a un crayon basique, tout le monde peut faire le test. Tu prends un crayon basique, tu vas essayer d'appuyer souvent dessus et ça va faire un truc comme lustrer le papier. C'est-à-dire que le papier, il va commencer à devenir brillant. Et tu ne peux plus rien faire dessus. Il n'y a plus rien qui accroche. Et en fait, le crayon couleur aquarellable permet de jamais lustrer le papier déjà et d'empiler les couches. Il fait 5 couches, c'est ça? Oui, au moins 5 couches sur les planches, bah, les pleines pages que j'ai vues passer tout à l'heure. Il y a jusqu'à 5 couches dans les plus foncées. Bah voilà, celle-là. Dans les plus foncées, il y a quasiment 5 couches de couleurs. Parce qu'en fait, je travaille par réo, où en fait, il y a la première la sous-teinte qui va être générale, c'est la première que je mets. Par exemple, si je veux une sous-teinte bleue, eh ben, je mets un crayon bleu. Et par-dessus, je remonte, en fait. Et ça permet d'avoir ce côté où on a l'impression que c'est un peu mouvant, en fait, les couleurs sont un peu mouvantes. Et c'est ça, en fait, il y a un côté où genre il y en a certains qui dessinent en dégrossissant, comme si c'était des sculpteurs. Ils vont mettre paf, une grosse masse de couleurs et ils vont creuser dedans. En fait, le crayon couleur, moi, je suis dans le sculpteur inverse. Ça veut dire que je mets de la matière. Ouais, ça donne un côté organique, ça donne quelque chose vraiment de... Ouais, ça donne un rapport à la planche qui est particulier. C'est ça, et puis aussi, ça fit aussi un côté... en fait, je suis un peu une brutasse, ça veut dire que vraiment... En fait, on a tendance à croire qu'on ne fait pas de sport et que quand on est dessinateur, c'est pas très physique. Eh bien, si, c'est physique, parce que j'avais un très bon avant-bras. Plus maintenant, ça fait un bout de temps que j'ai fini mes planches. Mais j'avais... Parce que tu y vas et quand tu as... Quand tu as plusieurs couches sur des formats qui font cette taille-là, forcément, en fait, t'as mal partout. Après, tu te mets au yoga. Mais voilà, c'est vrai que ça permettait... Enfin, le crayon couleur donnait vraiment un grain et tout. C'était mon outil de prédilection, quoi. Et par rapport, puisqu'on est sur cette grande image, il y a des images pleines pages qui arrivent comme ça à partir d'un certain moment dans l'album, quand on commence à découvrir justement la toxicité du radium. Donc, on a ces images qui annoncent le malheur. Comment est-ce qu'elles sont arrivées dans ta narration? Est-ce qu'elles sont arrivées rapidement? Et comment est-ce que tu les as pensées, puisqu'on voit justement ces formes beaucoup plus carrées, avec des formes plus angulaires, avec ces ruptures, ou en tout cas quelque chose qui est différent du ton du reste de l'album? Comment est-ce que tu as imaginé ces images pleines pages? En fait, ces images, souvent, je parle... En fait, en gros, c'est marrant parce que j'avais envie d'annoncer en fait, qu'il va leur arriver quelque chose d'assez malheureux. Mais c'était très compliqué de raconter cette histoire sans tomber dans le voyeurisme, en fait. Parce que forcément, le radium
a tendance à être c'est une drama queen, hein, la Radium Girl. Ça veut dire que c'est des tumeurs, tu perds tes mâchoires, tu perds tes dents, c'est terrible. Et en fait, il y avait plein de photos il y a plein de photos, hein, que tu peux voir sur internet de ça. Et moi, j'ai fait non, je veux pas montrer ça, j'avais pas envie de montrer ça et tout, mais j'avais envie de montrer que ces femmes étaient meurtries dans leur chair, etc. Donc il fallait trouver un procédé pour pouvoir le montrer. Et en fait, j'ai fait un parallèle avec un film qui m'a marqué quand j'étais plus, enfin, ça fait un moment maintenant, qui s'appelle L'ordre et la morale de Kassovitz. Et en fait, je me souviens même plus de quoi ça parlait tout, mais tout le film, il y a un espèce de coup de semonce qui fait bam au moment en fait qui en fait ça au début, ça un peu c'est bizarre pourquoi il est là. Et au fur et à mesure que tu avances dans le film, le bam, il te prend là. Quoi. Parce que tu sais que, ouais. Tu sais que ça arrive. En fait, c'est comme, voilà, c'est un peu ce truc-là où tu vas apposer, en fait, ce bruit à ce qui va se passer. Et voilà. Et donc en fait, moi, genre, bah, la première fois qu'on voit c'est marrant parce que des gens ont parlé d'icônes. Certains ils voient des icônes, certains ils voient quelque chose de pénitentiaire, certains ils voient quelque chose de religieux quasiment, etc. Moi je pense que chacun y appose ce qu'il a envie d'y apposer et je vais pas expliquer. Ça qui est beau. Ouais, ça qui est beau. Et en fait ben tu dis oh, non tu vois la première fois parce que tu ça merde, s'accélère et la deuxième fois non putain elles vont tout y passer en fait et c'était surtout ça en fait que je voulais montrer ce côté où bah elles sont brisées dans leur chair sans pour autant aller dans le sensationnaliste, et puis j'avais pas envie de dessiner ça non plus, quoi. Parce qu'en fait, souvent, les Radium Girls... Trouver l'équilibre, justement, quand elles commencent à aller mal, c'est-à-dire qu'on voit des pansements, ouais. On voit les... Il y a une scène assez terrible où elles sont en train de rire, et on va voir l'image tout à l'heure, mais où elles rient toutes, et elles ont plus de dents, elles rient parce que c'est le rire du drame, c'est-à-dire que c'est leur avocat qui leur annonce qu'en fait, les témoins pour le procès qui sont très importants, et où il faut qu'ils soient là pour pouvoir que le procès soit juste, qu'ils sont en vacances en Europe, alors qu'elles, elles sont là, en fait, à plus avoir dedans. Et il y a cette image où, à la fois, il y a ce rire et ça tord le ventre, quoi, de les voir comme ça. Et j'imagine que ça n'a pas dû être facile de réussir à trouver cet équilibre en se disant, bah, malgré tout, le crayon de couleur, les couleurs, il y a une certaine beauté. Et je pense que tu voulais rendre ça aussi, la beauté de ces femmes, la façon dont on disait au début qu'elles étaient lumineuses et qu'elles étaient joyeuses et qu'il y avait cette sororité. Et en même temps, il fallait bien les représenter malades aussi. Il a fallu... tâtonner un petit peu pour trouver ça. Mais en plus, c'est surtout aussi ce qu'on peut dire, c'est que j'ai quand même un trait assez simple. J'ai pas un trait ultra détaillé non plus. Ça veut dire que j'ai pas. Alors, je pourrais avoir un trait détaillé, plus détaillé que ça, mais en l'occurrence, dans l'histoire là, j'y vais au plus simple, souvent. Enfin, là-dessus. Plus simple ne veut pas dire le plus facile. mais oui, c'est vrai que. Il faut trouver ce juste milieu pour pas être voyeuriste, etc. et tout, mais aussi montrer les choses telles qu'elles étaient. C'est terrible. Elles perdaient leurs dents. Certaines perdaient même leurs mâchoires. Bon, voilà. C'était quelque chose. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'est surtout montrer comment elles se. En fait, aussi, ce que j'avais envie de montrer, c'est que ces femmes, elles sont pas. C'est pas comment dire. Elles sont pas badass. Tu vois, c'est pas des femmes qui sont des héroïnes, qui vont s'élever en tant qu'héroïne et tout. D'ailleurs, c'est jamais comme ça, en fait. Souvent, les gens qui vont s'élever pour prendre la parole, etc., n'ont aucune envie de devenir héros ou héroïne. Ils y vont juste, et puis c'est après la société, les gens qui se l'approprient, qui les, entre guillemets, déifient. Mais ces femmes-là, c'était quand même des petites ouvrières à qui on venait tout juste de donner le droit de vote, qui avaient allé à tout péter un petit niveau de salaire. Et surtout, quand elles ont commencé à mourir, vu qu'on ne savait pas que c'était le radium, on disait qu'elles avaient la syphilis. Donc, voilà, c'est vraiment tout ça qui fait que... Mais enfin, cette capacité qu'elles ont, se sont dit, mais je... Enfin, Grace a dit, non, mais en fait, on va mourir dans l'indifférence. Là, c'est pas possible, faut qu'on y aille. Mais je voulais surtout montrer que... Bah, je voulais montrer des réactions vraies face à des choses terribles. Et voilà, donc c'est vrai que c'était une balance un peu dure à tenir. Mais au final, bah, quand tu vois les personnes qu'elles sont et que tu fais travailler ton empathie, tu finis par trouver un équilibre. Et on parlait tout à l'heure de ce verre d'eau, de ce verre radium qui les fait...
tu disais au début, ça peut donner beau teint, ça fait aussi justement, on disait que c'était phosphorescent, c'est pour ça que c'est utilisé sur les montres, et c'est pour ça qu'on les appelle, on l'a pas évoqué, mais on les appelle les ghost girls, et elles en rigolent au début, c'est-à-dire à Edna, Grace, elle lui dit bienvenue dans le cercle très fermé des ghost girls, et en fait là aussi on retombe sur une ironie, ce qu'on disait tout à l'heure avec le compte à rebours, parce qu'il y a quelque chose de, elles en jouent, il y a aussi une scène qui pour le coup est assez terrible, où elles sont au cinéma, elles sont au premier rang, et les gens derrière, comme elles brillent dans le noir dans la salle, leur demandent de déguerpir. Et en même temps, il y a une utilisation plus joyeuse, on le voit au début, quand c'est Grace qui s'en met sur les ongles, se met du vernis à ongles pour que ça brille dans la soirée, une autre des filles qui s'en met sur les dents pour faire peur à son compagnon. Et on est toujours dans cet équilibre, dans ce mélange de drôlerie, de jeu avec ça, et au moment où on apprend effectivement que c'est toxique, cet aspect dramatique. Mais il y a un jeu au début vraiment avec le radium. Mais elles s'en amusaient vraiment. Hein. Tout ça, c'est véridique. Hein, parce que vraiment, le truc, elle se faisait des moustaches au radium, etc. Mais ce qui est dingue, de nos jours, même si on ne connaît pas bien, on sait que les trois quarts des gens, quand ils les voient se peindre les dents, même si tu ne connais pas la fin, tu fais pas bon, ça va pas être bon. Ça sent pas bon cette histoire. Et c'est vrai que effectivement, elles s'en amusent, elles sont hyper candides. Il faut savoir quand même que elles n'étaient pas mariées, c'était des petites jeunes et tout. Elles avaient 18 ans, 18-20 ans à tout péter. Ça les faisait marrer quoi. Ah, c'est trop drôle. Faut pas qu'elles se fassent penser, hein, parce que ça coûte très cher quand même. Ouais, mais c'était un petit coup sur la langue, un petit coup sur le cadran, hop, un petit coup sur le doigt, discrètement. Ouais. Mais effectivement, comme ça coûte très cher, il valait mieux pas se faire prendre. On parlait de la façon dont tu avais réussi à donner vie à ces personnages en t'inspirant aussi d'amis proches et en t'inspirant de vos relations aussi, de cette sororité dont on parlait. Mais il a aussi fallu dessiner toute une époque. Et je crois que pour ça, ça n'a pas forcément été évident au départ, parce que toi, tu avais en tête une Amérique des années 20 qui n'était pas du tout la réalité de ces Radium Girls, puisqu'on le disait, elles sont ouvrières. Et toi, dans ton imaginaire, tu allais dessiner des grandes robes, tu allais dessiner plein de choses que tu n'as pas du tout dessinées dans cet album. Oui, forcément, parce qu'en gros, l'imagerie qui perdure, c'est quand on pense aux années 20, quand on dit par exemple, quand on t'invite à une soirée années 20, tu fais « Ok, tu googles The Great Gatsby sur Google, tu t'achètes une petite robe à franges, qui est souvent pas du tout, en plus, qui n'est pas du tout des années 20. » Mais voilà, et c'est vrai que, en fait, c'est ça le gros… en fait, ce qui est très dur, c'est que les populations, les strates de la population qui peuvent marquer l'histoire, c'est les strates de la population qui a de l'argent, tout simplement, qui ont les moyens de marquer durablement dans le temps. Et c'est vrai que c'est l'iconographie qu'on a, l'image qu'on a qui perdure. Moi, au début, je pensais que j'allais m'amuser à dessiner des robes Charleston, ça va être trop beau et tout, machin. Et très vite, j'étais chantée parce que, sur les photos qui perduraient, tu vois, dans les ateliers et tout, elles ont des petits hauts, je pense qu'elles ont trois hauts, trois bas, une paire de chaussures. Et puis parce que aussi, il ne faut pas oublier que la mode de l'époque, il n'y avait pas eu l'industrialisation de masse qui nous permet d'avoir des fringues comme ça, etc. Si, ça va avec la mondialisation, tout ça. Le tissu coûtait très cher, etc. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû en faire beaucoup, chercher des archives d'époque, etc. Ça t'a beaucoup servi, je crois, c'est qu'on trouve beaucoup sur Internet les unes des journaux. Oui. Et que tout ça, ça t'a beaucoup aidé pour faire vivre cette époque. Ce qui m'a aidé aussi, ça, c'était surtout pour suivre en fait les Radium Girls, comment ça s'est passé quand elles sont devenues médiatiques en fait à cette époque-là. Après aussi, il y avait tout. Mais au-delà de juste les vêtements, faut se poser des questions de est-ce qu'il y avait l'électricité ? Et oui, est-ce qu'il y avait l'électricité ? Mais est-ce qu'il y avait l'électricité dans les foyers middle class ? Est-ce que les middle class l'avaient ? Est-ce que à quoi ressemble un cabinet de toilette des années 20, à quoi ressemble une poignée de porte années 20 c'est tout le truc est pauvre en fait. Moi je l'ai fait au fur et à mesure, ça veut dire qu'à un moment je fais elle doit mettre sa main sur une poignée de porte, merde, une poignée de porte années 20. Et soit regarder les radios, je suis devenue incollable sur les radios des années 20 parce qu'il faut que tu regardes et tout. Après, je ne suis pas à l'abri d'avoir fait des anachronismes, mais je ne me targue pas d'être non plus 100%
Le plus important, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est aussi, on a évoqué le fait que c'est un combat de femmes pour faire reconnaître ce qu'on leur a fait subir, les dangers dans lesquels on les a mises. Mais c'est aussi, et tu l'as un petit peu abordé en parlant de l'iconographie et de qui laisse des traces dans l'histoire, c'est aussi, ce livre, il raconte aussi une lutte des classes. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est une convergence des luttes dans cet album. Ah, tout à fait. Ben, c'est une lutte oui, tout à fait. Hein. C'est une lutte de classe, une lutte féministe. C'est un ensemble, etc. Et qui font beaucoup écho de nos jours, d'ailleurs. Hein. On est en plein dedans. Déjà, en fait, c'est dingue parce que tout le monde nous dit oui, on avance, c'est bien et tout. Puis il y a des moments, en fait, on fait un pas en avant, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Donc au final, on n'avance que d'un pas, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, elles ont mené un vrai combat, etc. Parce que bah, en fait, elles étaient dans les foyers middle class. Et quand je dis que c'est très connexe, souvent, bah, c'est ce que j'ai dit aussi. En fait, en dédicace, il y avait une fille qui est venue, une jeune femme qui au collège, et qui me dit j'aimerais avoir Molly qui est en maillot de bain, s'il te plaît. Et je lui dis ok, pourquoi tu veux particulièrement Molly en maillot de bain? Elle fait bah, parce que elle tire sur son maillot de bain. Parce que c'était la prohibition, ils mesuraient la hauteur entre le genou et le maillot de bain pour savoir s'il était conforme au dogme de la prohibition. Elle fait bah, parce qu'on lui mesure et moi, on m'a fait chier à la sortie de mon collège, on m'a dit de me rhabiller parce que j'avais un crop top trop court. Et j'ai fait oui, effectivement. Et en plus, c'était en 2020 et littéralement, entre Molly et cette jeune fille, il y a 100 ans. Voilà, 100 ans qu'on continue à emmerder les femmes hein, sur comment elles s'habillent, bien évidemment. Et c'était terrible. Enfin, là-dessus, vraiment, j'étais horrifiée. Et c'est vrai que ça fait écho à plein de choses, parce qu'au-delà de ça, ça fait écho aussi au scandale de l'amiante, parce que c'est toujours les mêmes cycles, au scandale du Teflon, Darkwater. Enfin, c'est toujours les mêmes gimmicks qui reviennent, etc. Et tu parlais du retour de cette collégienne. Est-ce que tu as eu d'autres retours qui ont pu te surprendre ou te toucher? Radium Girls, c'est un grand succès. Les lecteurs, voilà, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de lecteurs. Comment est-ce que tu as pu échanger? Parce que c'est sorti, on a dit fin août, donc tu as eu une petite fenêtre de tir pour faire des dédicaces avant le deuxième. J'ai eu beaucoup de chance. J'imagine que tu as été touchée de la façon dont les gens se sont sentis proches de ces Radium Girls et que toi qui avais eu du mal à les quitter à la fin de cet album. En plus, il n'a pas été publié tout de suite, il devait être publié, finalement il a été décalé au mois d'août. Donc j'imagine qu'il y avait quelque chose à la fois hyper rassurant, hyper enthousiasmant de voir qu'elles avaient accueilli dans leur cercle ces filles, tous les lecteurs et toutes les lectrices. Bah, c'est vrai qu'entre le moment, en fait, il s'est passé un an entre le moment où j'ai fini les planches et enfin, ça devait ressortir, forcément ça a été décalé, Covid oblige. Mais c'est vrai que oui, c'est toujours agréable parce que ça fait un an que tu ne les as pas vues et en dédicace, tu as l'impression de revoir un pote que tu n'as pas vu depuis longtemps. Quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable. Après, dans les retours, bah, j'ai eu plein de retours, enfin, globalement. Mes lectrices et mes lecteurs, c'est des petits choux. globalement, ça c'est. Voilà, il y avait quand j'ai des retours comme ça c'était, ça a été vraiment une grosse mandale que je me suis prise parce que c'était rude, surtout pour elle et tout. Et vraiment, d'ailleurs, j'en ai fait un post Instagram tellement j'étais retournée par ça. Mais oui, après, au niveau des lecteurs et des lectrices, c'est toujours un bonheur où on me demande, on me dit, je veux elle, parce qu'elle, je me reconnais un peu dedans, etc. Et tout. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est quand une petite de 8 ans est venue et elle est venue acheter pour sa première BD avec son argent de poche et tout. Elle a pris Radium Girls, j'étais genre, oh là là. Bah, par contre, j'ai dit à sa mère, je fais, vous la lisez avec elle, s'il vous plaît. Toute la première partie, elle peut le lire toute seule, mais après, va falloir expliquer un peu quand même. Mais c'est hyper chou et c'est vraiment ce côté on peut se retrouver dedans et tout, donc ah, j'ai l'impression de retrouver des connaissances quoi, des vieilles amies plutôt, pas des connaissances. Et les lecteurs et les lectrices, ils t'ont accompagné aussi pendant le processus de création, puisque
tu as réalisé certaines planches en live sur Twitch, et c'était important pour toi aussi de partager ça, justement parce que c'est quelque chose de très solitaire, la bande dessinée, quand on est vraiment dans la réalisation même des planches, parce qu'il faut s'astreindre à une régularité, et puis il faut vraiment, on ne peut pas faire autre chose, mais on peut le faire en le partageant avec d'autres personnes autour de soi, et ça a été vraiment important pour toi de pouvoir partager la création avec les personnes qui te suivent sur les réseaux, qui sont très nombreuses. Ben ouais, en fait, vraiment, c'est ce que je te disais en off. Twitch, ça m'a sauvée, hein. Clairement, parce qu'en fait, le métier d'autrice de bande dessinée, c'est un métier où on est super seul, en fait. On n'a pas de collègues de bureau, ou du moins, moi, quand tu sois dans un atelier, mais moi, j'étais seule. Et effectivement, quand tu es face à ta planche, etc., c'est très dur aussi parce que toi, tu as l'impression, avant d'avoir les réseaux sociaux, tu mûrissais ton truc à huis clos chez toi et après, ça sort et tu n'as plus d'accroche et tout. Et là, en fait, pour expliquer Twitch, en fait, c'est du live. C'est comme ce que vous regardez. C'est comme ce que vous regardez. Ça veut dire que vraiment, moi, je réagis en, comment dire, je filme ma planche et puis je discute en même temps. Il y a un chat à côté de moi et puis je discute, on avance. Si des gens ont des questions à poser, on peut blaguer, etc. Et c'est vraiment aussi une ambiance d'atelier, en fait, tout simplement. Où j'ai pas fait ça juste pour me dire dans une volonté commerciale. Hein. C'était juste, principalement, c'est pour pas être seul et pas... Enfin, c'est moralement, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des gens qui te tapent la discute, hein, pas forcément que parler de BD, hein, qui te demandent. Tu finis par connaître les habitués, tout simplement. Dire comment ça va, comment tu vas. Des questions de jardinage, des questions de exactement, couture. Exactement, de BTP, de couture. Non, mais voilà, on peut parler de plein de choses et tout. Et c'est vrai que ça a été une bonne béquille, en fait, là-dessus. Puis aussi avoir des retours, hein, du genre. Déjà, juste, parce qu'on est quand même dans un métier de l'image, juste des gens qui font ah, elle est belle ta planche. Et tu fais. Et quand c'est pas juste ta mère ou ton mec qui te le dit, c'est parce que tu dis non, mais de toute façon, t'es biaisé. Rien que ça aussi, c'est agréable pour l'ego, tout simplement, hein, faut le dire. Et on a parlé de la façon dont tu avais pu faire le découpage assez rapidement. Tu as rendu tes planches 6 mois en avance. Ce qui, je le précise pour les gens qui ne connaissent pas bien la bande dessinée, c'est extrêmement rare. 6 mois plus tard, généralement. Mauvaise langue, mais en tout cas, c'est très rare de rendre en avant ses planches parce que c'est un travail très très long. Et donc, on peut avoir l'impression que ça a été un parcours de santé, mais il y a eu quand même quelques moments de stress, mais un notamment au moment où il a fallu envoyer la première moitié de l'album chez l'éditeur pour le scanner parce que tu avais fait des tests chez toi. Donc, c'est très beau le crayon de couleur sur des planches, mais en fait, tu t'es aperçu que chez toi, en tout cas, avec ton scanner, ça rendait rien du tout, c'est ça? Ouais, mais en fait, de toute façon, c'est ce que j'avais dealé directement avec Gléna. J'avais dit, si je fais des planches au crayon de couleur, vous avez un reprographe. En fait, il faut. C'est un métier, en fait. On a tendance à croire que scanner une planche, c'est aussi simple que ça. Bah non, en fait, il y a des gens, c'est le métier, faire de la reprographie pour la couleur, exactement. Et donc voilà. Mais puis, de toute façon, moi, j'avais fait un test chez moi. Mon scanner était dégueulasse, c'était horrible. Toutes les couleurs étaient comme écrasées, en fait. Vraiment, je perdais toutes les sous-teintes et tout. Et c'était terrible. Donc, en fait, Léna m'a dit, de toute façon, on s'en fiche. Nous, on a un programme en interne, donc il n'y a aucun problème. Tu vas envoyer tes planches et c'est tout. Sauf que ça induisait envoyer deux paquets. Donc, j'avais 120 planches. Envoyer deux paquets de 60, donc par deux salves, par livreur jusqu'à Grenoble. Oh là 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 là, j'étais en panique. T'as pas reçu le texto qui te dit « c'est bon, bien reçu », quoi. Ouais, voilà. Alors, en vrai, il n'y avait aucun risque parce que c'est un livreur qui est affrété, qui va déposer, machin et tout. Enfin, Léna, ils ont totalement l'habitude. Mais tu as toujours peur. Donc, j'avais quand même fait, au cas où, des scans préventifs parce que tu n'es jamais à l'abri, qui est une galère, en fait. Hein. Mais même les scans préventifs, ils me faisaient... J'étais déprimée parce que je les voyais, je faisais « ah, horrible !» et tout. Et donc, ouais. Et honnêtement, Léna a fait un très beau travail. Alors, le reprographe, j'ai récupéré et j'ai dû les retoucher, hein, forcément, parce qu'on retouche toujours un peu. Mais surtout, moi, je suis très contente de l'arrivée. En fait, les planches qui sont imprimées, elles sont quand même très proches, en fait, des originaux. Et ça, c'est vraiment chouette. Une autre chose sur laquelle il a fallu travailler et revenir un tout petit peu, je vais montrer la fameuse image dont je parlais tout à l'heure, donc avec ces filles qui rigolent. Mais comme je vois que le temps passe très vite et qu'il va bientôt malheureusement être temps de nous quitter, j'aimerais qu'on parle de la couverture, où là aussi ça a été un travail où il a fallu avoir
plusieurs allers-retours, puisque finalement, la couverture que tu avais proposée au début, ce n'était pas du tout celle-là, et qu'il y a eu quelque chose d'assez compliqué, c'est qu'on te l'a demandé très rapidement, la couverture, et c'est vrai que pour présenter les albums à venir aux représentants, puis aux libraires, et que les gens sachent que l'album va sortir, c'est toujours mieux pour pouvoir en parler et le défendre auprès des lecteurs, il faut proposer la couverture, et donc tu as dû réaliser la couverture alors que tu avais réalisé que quelques planches. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'était la première couverture, pas forcément dans le détail, et en tout cas, comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle en arrivait à, finalement, c'est tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on voit immédiatement que ça va raconter aussi l'histoire d'une amitié et l'histoire d'un groupe. Alors, en fait, la toute première couverture, elle était, en fait, c'était Grace toute seule qui était face à un miroir et on voyait en fait en phosphorescence son squelette à travers la peau. Parce qu'en fait, c'est un mythe. Alors, je ne sais pas si c'est complètement un mythe, mais pour moi, je n'ai pas trouvé assez d'informations qui disaient ça parce qu'il y avait vraiment une légende qui disait que les Radium Girls, vu que le radium colonise les os, en fait, c'est phosphorescent et ça irradiait à travers leur peau. En fait, qu'on voyait la phosphorescence à travers leur peau. J'y crois très peu, hein, mais c'était un peu une légende qu'il y avait avec. C'est la légende du truc. Mais donc, voilà, j'avais ça, et en fait, j'avais mis dans un miroir, et on la voyait de dos, et, enfin, en fait, un peu dans l'ensemble, le dos, etc., sur la quatrième, etc. Et en fait, c'est passé en commission, enfin, auprès des commerciaux, etc., et les commerciaux ont clairement fait un retour en disant « Ah, ben, elle est très belle, ta couverture, ça, il n'y a pas de notion de beau, pas beau, ni rien ». C'est juste que là, les gens ils vont croire que c'est une histoire de fantômes. Alors, effectivement, on les appelait les Ghost Girls, mais ce n'est pas une histoire de fantômes. Et tu risques de perdre une partie. Puis surtout, la couverture était très sombre. C'était très sombre, très, très plombante et tout, qui était un peu à l'opposé en fait, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce qu'il y a toute une grande partie où ce n'est pas du tout comme ça. Pendant 70% du bouquin, ce n'est pas comme ça. Et donc, j'ai repris et très vite, en fait, ça s'est imposé. Je me suis dit, en fait, c'est l'histoire de six filles, donc il faut les montrer, etc. Et tout, et montrer les blouses, surtout, voilà, comme quoi elles vont au travail, etc. Moi, ce que je voulais, le twist se faisait sur. En fait, j'aurais dit, je peux avoir du phosphorescent sur la couverture, s'il vous plaît. Et Olivier m'a dit, t'inquiète, je vais l'avoir. C'est mon affaire. Sa voix du gars qui dit, t'inquiète pas, ça va passer. Bien évidemment, ils me l'ont accepté parce que là, c'était vraiment très, très à propos. Il n'y avait rien de gadget là-dessus. Et donc, il y a un twist sur la phosphorescence qui est dessus. Donc, c'est une BD qui se voit dans le noir. Donc maintenant, pour toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, il va falloir l'avoir entre les mains et l'avoir chez vous, entre les mains, pour pouvoir voir ce qui se passe dans le noir. Merci beaucoup, Si, d'avoir été avec nous. Il est malheureusement déjà temps de nous quitter. On a déjà hâte de découvrir ton album avec Marc Dubuisson, donc il y a un album jeunesse, si je ne me trompe pas. Moi, je dirais tout public, tu vois. Tout public, d'accord. Tout public, donc 7 à 77 ans, voire plus tard. Tout à fait. Mais en tout cas, et où là, c'est à l'encre. Tu changes de technique, c'est ça ? À l'encre. Et donc, pour toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir plus encore sur Radium Girls, je le répète, mais il y a donc cette vidéo que tu as réalisée juste au moment de la sortie de l'album où on peut voir, pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de vraiment voir comment c'est un découpage, comment c'est un scénario, comment se font les premières étapes à l'iPad, on peut voir vraiment, vraiment tout ça et bien évidemment suivre l'évolution de ton futur album sur les réseaux puisque tu en parles régulièrement aussi. Yes. Merci beaucoup. Si, Radium Girls, c'est donc publié chez Glénat. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Bonne soirée.